Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nibo de Niboréen, et aujourd'hui, bienvenue sur Minecraft Hardcore épisode 2, version 1. Parce que oui, la précédente était la 0. Et donc là, on se retrouve pour le deuxième épisode de la survie. Et je vous rappelle, on s'est quitté, la nuit était en train de tomber. Ok. La nuit est tombée, là, je crois. Voilà, là, c'est le coucher de soleil. Et faut que je me barre le plus vite possible. À tout moment, je peux tomber sur un noyer, ça peut être la fin de la survie à nouveau. Mais je peux pas rester sur cette île. Si je reste sur cette île, c'est mort. Y a rien à faire, faut que je me tire. Faut que je trouve une plus grande île. Alors. J'ai oublié de lancer le chrono. Je crois que... Ça fait quoi? On va dire 15 secondes que ça a commencé. Voilà, j'ai enlevé 15 secondes au chrono. Peut-être que ça faisait moins. Il y a une autre île là-bas. Il y a une île ici aussi. Oh, l'armée des noyés. Théma, les noyés. Y en a combien, les gars? Théma, l'armée des noyés, là. Ah non, putain, j'ai cru que c'était une famille, c'est des poules. Ok, il y a encore une île ici. Sérieux, il y a que des îles, les gars. Faites un effort, là. Moi, j'ai besoin de survivre. Il va y avoir des noyés, là. Ils vont me lancer leur trident. Je suis mort, hein, si je me prends un trident. Il y a un temple aquatique. Il y a le temple aquatique, les gars. C'est une araignée, là-bas. Putain, il y a déjà une araignée sur l'île. C'est quoi, ça, là-bas, en dessous? Mais c'est quoi, ce bordel? Il y a le temple aquatique qui est juste là, les gars. On a quoi, en dessous? C'est un truc de nether? Non? Si, c'est un truc de nether, je crois, non? Regardez, c'est bizarre. C'est quoi, ça? Il y a des algues, d'accord. Je vais les récolter au passage, hein. Attendez, je sais pas si les gars, vous voyez ce qu'il y a en bas. Moi, je vois pas trop. C'est quoi? On dirait, si, il y a un truc aquatique. Mais c'est ouf! Oh, il y a noyé, il y a noyé! Oh! Oh, le fou! Oh, le fou, il y a le noyé! Il y a le noyé! Oh, les gars! Il m'a cassé le bateau? Oh non, oh non, oh non! Vite, je me barre! Putain, il me balance des tridents, il y a une armée! Ok, faudra que je revienne ici plus tard. On va prendre les coordonnées vite fait. Moins 280, 62, moins 60, on va dire. Moins 280, 62, moins 60. Ça se trouve, il n'y avait pas de moins. Ah, petit freeze. Parce que j'ai mis les coordonnées dans le chat pour la première fois, le premier message. Putain, mais ça commence mal, les gars! Je me suis fait agresser là! J'ai bien fait de faire Je peux manger? Oui? Mais regardez tout ce qu'il y a sur l'île! Y'a combien de squelettes? Y'en a 6! Y'a des lumières sous l'eau! Mais c'est quoi ce bordel? Je suis tombé où, les gars? Me dis pas qu'il y a un mineshaft là en bas de la lave! Y'a un creeper ici! Ça c'est vraiment la survie hardcore, les gars! Là, on est vraiment en plein milieu de l'océan! C'est la survie la plus hardcore que je connais, hein! Dites-moi, vous êtes déjà tombé sur une survie pareille, vous? Est-ce que je suis avec le creeper ou pas, vous pensez? Est-ce que je suis un fou, en vrai? De toute façon, faut bien que je fasse ma base quelque part, j'ai envie de dire. Putain, bah, descends. Putain, je cherchais comment descendre de mon bateau. Putain, vite. Ça va, il était dans l'autre, du coup il a fait aucun dégât. Ok, bah écoutez, je vais déjà éclairer cette zone, je pense. On va éviter qu'il y ait 2-3 maps qui spawnent davantage. Wouah, mais c'est quoi? Ça commence très très mal, hein, franchement. Qu'on soit d'accord. Ça pouvait pas commencer avec une difficulté plus faible. Et les noyés qui arrivent en plus. Je vais récupérer mon bateau plus vite. Putain, mais. C'est vrai que mon personnage est anti-gapé, ça je l'avais oublié. Ok, on va construire un truc de 2 par 2, je pense. Hop. On va vraiment faire une petite zone sécure, là. Voilà, en sable. Quoi? Bah oui, je fais un château de fort. Les gars, je vous jure. C'est ouf. On est vraiment dans une survie. Mais ça a commencé, mais... Tellement c'est la merde, on n'a aucun moyen de survie. Ok, je vais poser ma table de craft ici. On va creuser un peu. Si je peux faire des dalles... Ouais, je vais faire des dalles, ça va économiser un peu de l'espace, j'ai envie de dire. Voilà, là on va être bien. On va être bien, hein, oui. Ça dépend, hein, parce qu'on est vraiment dans la merde. On l'a trouvé, vraiment, aucun truc. J'ai failli crever, vous avez vu tous les tridents, je vous l'avais dit. Genre, mais c'est quoi ces armées? Il y a des creepers, vous avez vu l'armée de squelettes aussi? Là, on rigole plus, hein. Ça rigole plus du tout. Je me suis lancé dans une vraie aventure.
Et je sais même pas comment je vais m'en sortir dans celle-ci. Waouh. Et puis là, faut que je descende me trouver une grotte, hein. Obligé, faut que je trouve une grotte. Parce que là, j'ai pas d'autre moyen que de me trouver du stuff. Sinon, comment voulez-vous que je fasse la traversée? Oh putain. Allez, descends le sable. J'ai oublié ça. J'avais oublié ça. J'avais oublié ça. Ah oui. J'avais complètement oublié ça. Faut bien que je le creuse, mais. Faut que je fasse gaffe au sable, sinon je vais casser ma défense. Vais me créer une petite zone un peu plus ouverte. Voilà. Comment on va faire, les gars? Vous avez une idée, vous, ou pas? Parce que là. À moins d'explorer avec le bateau, je trouve pas d'autre solution. Faut que je fasse gaffe aussi avec l'eau. Dites-moi, les gars, qu'il y a peut-être du fer, un truc dans le genre. Il me faut absolument du fer. Il me faut du fer, les gars. Putain, pour une seconde, j'ai eu peur quand je suis descendu. Je me suis dit, mais il y a un trou? Mais il y a un trou, je suis con! Mais non, ça va, il n'y avait pas de trou. Oh, je vous jure. J'ai cru entendre un truc, pas vous? Ou alors je suis peut-être devenu fou, hein, à force. Putain, je vais niquer ma pioche en pierre. Mais bon, avec toute la pierre que j'ai récoltée, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Allez, les gars. On va trouver bien un truc, évidemment. On va bien trouver quelque chose. Je sais pas, c'est. Il y a forcément du fer. Un minerai, je sais pas. Du charbon. On est à la couche combien en plus? 44. On était vraiment où alors, hein? Nous. Y a vraiment rien là? Déconnez pas, les gars. Cette couche, il doit y avoir du fer, un truc dans le genre. Y a rien. C'est vraiment pas de chance, les gars, qu'on a, hein, vous avez vu? Wesh. Ah, peut-être. Bah non, l'eau, ça doit être l'eau de la mer. Mais j'entends quand même de l'eau. On va quand même essayer de voir si c'est pas une grotte. J'espère tellement que ce soit une grotte. Bon, elle sera. Honnêtement, elle sera en vide et bon, je pense. Là, on se rapproche vraiment d'une grotte avec de l'eau, je pense. 100%. Oui, il y a une grotte. Il y a une grotte. On est tombé sur une grotte, les gars. Ok, il y a une grotte. 100%, on a entendu les araignées, donc. Bah, elle s'étouffe pas, l'araignée, hein. Ça c'est déjà une évidence. On peut sortir, l'araignée est vivante. Oh la chance, on a une grotte. Ok. Je vais établir une petite zone là. Ouais. Oh! Du charbon! C'est pas ouf, hein, vous allez vous dire, mais pour là déjà pour où on est, c'est ouf de trouver du charbon après ce qu'on a creusé. Hein. Pour moi. Putain. Finalement, on me sort quelque chose. Ok, on va installer celle-là. Hop. On va se refaire vite. Ah bah regardez, on a un stack quand même, hein, pour vous dire. Donne-moi le charbon, allez hop, donne-moi tout ça. Je vais en avoir besoin du charbon, hein, si je veux éclairer ma vie. Bah oui, ma vie de Minecraft là, elle est pas ouf. Mon personnage, il est vraiment dans la merde. Il y a des chauves-souris déjà, on l'entend. Des araignées, il y a forcément des creepers, c'est des araignées, hein, ça c'est sûr. J'espère qu'il n'y a pas trop de mobs, hein. De toute façon, je vais faire masse torche à éclairer, hein. Il faut que je clean la zone des mobs. Puis avec les blocs, je vais prendre. Ouais, là je vais prendre mon stack de 64, hein. Je pense que ça va être la meilleure des solutions aussi, hein. Est-ce qu'il me reste des sticks? Non? Bon, on va s'en faire plein, allez. Hop. On va se faire plein de torches là, il m'en fout beaucoup. Je pense. Voilà, allez, on se fait tout ça. Voilà, 50 torches, je pense c'est pas mal, hein. C'est un bon début, hein. Oh, il y a un mineshaft! J'avais raison tout à l'heure, j'ai dit, il y a peut-être un mineshaft, ce style. Il y a un putain de mineshaft. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des araignées empoisonnées? Vous pensez qu'il y a des araignées empoisonnées ou pas? Bon bah, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on s'est fait baiser là, c'est juste l'entrée. Faut qu'on creuse pour trouver. Ou alors. Ça, oui, ça vient de là-bas le bruit, hein, je crois. Oh, du fer! Oui! Ok, ça c'est un très bon début de fer. On va faire un truc pour récupérer la source d'eau parce qu'elle va nous casser beaucoup sinon. Hop. Hop là, on va. Ah maintenant j'ai déjà un four, putain, je suis con. Oh le mongol, j'avais déjà un four. Le fer il est où? Il est là. On va créer un autre espace d'escalier ici, je pense. Hein, ce sera plus rapide aussi pour aller chercher le stuff.
Je vais chercher deux pommes de terre, hein, au passage. Je vais remplir le four. Comment ça? Il s'est pas cassé le lock? Ah, si, je me rassure. Le fer, hop, on met. Je vais pouvoir récolter le seau que je vais pouvoir mettre. Putain, il reste déjà une minute à l'épisode, les gars. Ok, l'eau est récupérée déjà. Ça cligne un peu la zone. Faut que je dégage ça parce qu'on entend les mobs. Mais ils ont l'air d'être par là, j'ai envie de dire. J'ai envie d'y croire surtout. Ça se trouve, ils sont en dessous, hein. Je pense en dessous, ouais. C'est forcément en dessous. Ouh, il y a une partie par là, je crois. J'ai entendu un zombie. Oh, un Enderman aussi! Ouais, ils sont juste en dessous. Putain, ils sont nombreux en dessous, vous entendez? Ils sont vraiment un paquet. Ils sont juste en dessous là, hein. 100% juste en dessous. Comment je vais survivre à une telle partie, les gars? Mais c'est un bordel! Oh, ah, j'ai envie de continuer, mais bon, c'est la fin de l'épisode, les gars. Vous entendez ce qu'il y a en dessous? Il y a des Enderman, il y a des zombies, il y a des squelettes. On est dans un mineshaft, en plus. Donc, enfin, on dirait qu'il y a un mineshaft. On a trouvé le temple aquatique. On est sur des îles désertes. On a parcouru un peu les alentours. Il n'y a rien du tout. Vite fait, on a parcouru, mais il n'y a vraiment rien. On n'a rien vu. Et les armées de mobs qu'il y a. Dites-moi, vous connaissez vraiment une partie hardcore aussi difficile que ça? Non, mais parce que là, on a vraiment commencé dans une partie qui est incroyable. Les gars, j'espère que cet épisode numéro 2 vous aura plu. Et là, on est parti vraiment. J'ai un peu de fer, je vais me faire une armure avec ce que j'ai pu récolter dans le prochain épisode. Et dès que je vais trouver l'entrée de la grotte, déjà, je vais faire en sorte de me barricader avec des blocs et attirer les mobs. Si je vois les squelettes, je vais essayer de les coincer. Les zombies, je vais les coincer. Parce que sinon, je vais crever en 2 secondes. C'est le seul moyen de survivre. Et là, c'est sûr qu'elle va durer longtemps parce que je vais faire vraiment le plus d'attention, vous avez vu. Faut que je fasse attention. Avec le fer, faut que je me fasse le bouclier le plus vite. Faut que je me fasse le bouclier aussi dans le prochain épisode. Bon. Bah les gars, c'était Nimbor, votre truc c'est du bonheur, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, alors n'oubliez pas, portez-vous bien. Je vous dis, ciao.